sommes le mardi 15 novembre et il est 11h30. Donc là, je vous retrouve, je suis dans ma voiture. Je me suis dit que j'allais ouvrir le rush comme ça, que ça allait vous changer, que tout le temps voir ma tête face bureau ou quoi. Puis comme ça, je vous prends un peu face cam. Je regarde par là, mais je crois que c'est là. Je regarde aussi la barrière parce que, en fait, je suis partie 5 minutes plus tôt pour me garer pas très loin de l'école parce qu'en fait, il pleut à Dac. Et il y a beaucoup de vent, donc j'ai pas envie de me faire saucer. Donc voilà, je me suis dit que j'allais ouvrir comme ça ce rush. Et là à côté, on voit la pile de livres Disney. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis allée chez le médecin. C'est pour rien de grave, hein, c'est parce qu'en fait, je vois mon chirurgien, pas lundi là, mais l'autre. Et en fait, il veut que je fasse une prise de sang avant d'aller le voir. Donc c'est tout en fait. Et je m'étais dit, bah tiens, ma fille, elle veut se débarrasser de ses livres Disney. Et je m'étais dit, peut-être que la dame, elle va aller vouloir pour mettre dans la salle d'attente du médecin. Puis après, je me suis dit, en fait, avec le Covid, bah peut-être qu'elle va pas me les prendre, mais bon, tant pis. Là, j'en ai une quinzaine et ma fille, elle a trois piles de 15. Donc voilà. Et ma fille, elle lit plus. Hein. Vous savez que c'est la génération un peu télé-écran. Elle lit un peu, mais plus les livres. Et elle aime bien les mangas maintenant. Oui, elle a 10 ans, elle aime déjà les mangas. Elle veut faire comme sa sœur. Excusez-moi, je ne vous regarde pas trop, mais je regarde la barrière en même temps. Et vous me voyez comme ça. Et puis du coup, on m'a dit, bah non, en fait, je mets plus rien en salle d'attente. Donc je me doutais bien que bah, c'est pas grave, je vais repartir avec. Et puis du coup, bah, je rentre voir mon docteur. Et puis, enfin ma docteur. Et je lui dis, bah écoutez, je vois que vous avez des feutres et des crayons, ça vous intéresse de prendre un ou deux livres Bah, si vous voulez, je vous en donne, quoi. Et elle me dit, oh oui, c'est gentil. Donc, du coup, on a pris deux. Elle a pris Alice au Pays des Merveilles et le Roi Lion. Donc, j'ai trouvé ça mignon. Comme ça, bah, si ça peut faire une heureuse en attendant son papa, sa maman ou quoi dans le truc. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Après, j'ai pas trop de nouvelles au sujet de ma commande de Pen Store. Enfin, si j'ai des nouvelles, mon mari, ça y est, il a eu le numéro de suivi du colis et c'est écrit que ça va bientôt arriver bah, à la poste, en fait. Donc. J'espère bientôt les recevoir. Après un mois de. Ça fait un mois que je les ai commandés. Hein. Il y a eu la bourde qu'ils m'ont envoyée. Bon, ça vient de loin, donc à chaque fois, ça met 10-15 jours à arriver. J'espère que je vais quand même les recevoir parce qu'avec 50 euros que j'ai mis dedans, ça m'embête. Mais je peux vous dire que la prochaine fois, excusez-moi, je vais vous les. Je les commander autre part parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que je pouvais aller sur Dalb, Esquisse. Enfin, il y avait plein de trucs en fait. Donc voilà. Voilà pour ce petit rush là. Je vous reprendrai plus tard et cette fois-ci, je vous montrerai du colo. A plus tard. Hey, coucou, nous sommes le mercredi, alors 16 novembre. Hein, pour le coup, j'ai pas besoin de chercher la date parce que bah, aujourd'hui, c'est mon anniv. Hein, donc voilà, aujourd'hui, je prends 38 ans. Et puis, bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je travaille pas. Ça tombe sur ma journée de repos. Donc, bah, on va aller se promener. Puis ce soir, bon, on va manger quelque part avec mon mari, mes enfants et ma mère. Et puis on fera dimanche soir avec bah, ma belle famille, hein, mes beaux-parents, ma belle-sœur. Hein, voilà. Voilà, voilà pour ça. Donc là, moi en cours, je suis en train de faire un autre dans celui-là. C'est mon deuxième ce mois-ci. Donc là, je suis en train de faire lui au feutre à alcool hein, de chez Action, comme d'hab. J'avais pas envie de forcément trop colo ces deux derniers jours. C'est pas que c'est une panne colo, mais en fait, j'avais envie, mais j'avais pas le courage. Et regardez, alors, je vais vous faire voir. Hop, attendez, je passe mon bordel. Alors, c'était dans lequel? C'est dans celui-là. Et c'est quand c'est mercredi, en fait, j'avais pas trop le courage de faire un gros colo et de me casser la tête. Et je me suis dit, bah écoute, prends tes feutres et essaye de retourner dans ceux-là. Parce que j'en ai quand même comme combien là? 3-4 comme ça un peu. Oui, j'ai celui-là. J'ai celui-là. Bah tout ça, si vous voulez, c'est les premiers livres qu'on a achetés, quoi. Et j'ai celui-là. Et bah j'arrive pas à retourner dedans, quoi. C'est plus mes colos, mais j'arrive pas à me séparer de mes livres. Enfin là, je vais peut-être y arriver quand même parce que je vais vous faire voir. Ah voilà. J'avais déjà fait ça il y a un moment quand je l'ai acheté. Voilà. Il n'y a rien de. En plus, le crayon là-dedans, je trouve que c'est bof. Voilà, j'ai fait ça. Oh, j'ai fait ça, mais il y a longtemps de ça. Et là, je me suis dit, bah écoute, essaie de prendre tes feutres et puis retourne dedans mercredi. Voilà, j'ai voulu essayer de faire ça. Mais enfin, voilà quoi, ça me parle pas. Ça, c'est enfin, voilà, c'est rien quoi. C'est des formes. Enfin, il y en a qui aiment bien faire ça, mais enfin, moi, ça, c'est plus mes bouquins et je sais pas quoi en faire. J'ai pas envie de les jeter.
Je sais pas. Et en plus, ça me prend de la place. Il y en a encore en quatrième, je crois. Et un cinquième. Où je vais plus dedans. Et enfin, ça m'énerve. Donc voilà pour ça. Voilà pour ce petit moment colo. Ensuite, je dois vous faire voir quelque chose. Alléluia. Alors, je vous montre à l'envers parce que l'autre côté, il y a mon adresse. Alors, j'ai secoué. Voilà, on entend les petits crayons qui se. Voilà. Donc, je me dis. C'est peut-être ma bonne commande, on l'a reçue hier. En fait, hier matin, je vous ai commencé le rush, on n'avait pas de nouvelles, et c'est quand je suis rentrée hier soir du travail qu'il y avait ça sur mon bureau. J'espère que c'est les bons. J'espère. Alors, comment on ouvre ça? Sans vous trop vous faire voir mon adresse. Ah, il y a un truc là. Ok. Voilà. Alors, j'espère qu'il y a le nombre. Parce que là, pour le coup, la boîte, voilà quoi, c'est la taille de la boîte qu'il faut. C'est le bon. On entend des crayons. Un mois que je les attends. Et puis dites-vous qu'ils se sont plantés, m'ont même pas mis un cadeau en plus. Genre. Enfin là, je pense pas qu'ils m'aient mis un crayon en plus, mais. Alors, voilà. Normalement, il doit y en avoir 14, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Les voilà, enfin! Je suis trop contente. Vous m'avez suivi là sur ce coup-là. Hein. Je vous ai dit que ça avait été long. Mais pour moi aussi, ça a été long. Donc voilà mes petits luminances. Alors oui, je disais, avec tout le bordel que ça a été, dites-vous qu'ils n'ont même pas mis un ou deux luminances en plus, ou alors que, je sais pas, ils ont mis un truc en plus en cadeau, quoi. Vraiment, moi là, je ne sais pas si je vais recommander chez eux. Hein. J'essaierai sur un autre site, comme j'arrêtais pas de dire, mais non, là, je crois pas que Pen Store, ils vont me revoir. Hein. Franchement, ça a été trop long. En plus, première commande, ils se sont trompés. Bon, c'est ce que je dis, une erreur humaine, ça peut arriver. Mais bon, là, je vous dis, regardez, il n'y a même pas un petit cadeau, il n'y a rien en plus, quoi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ils sont là, il n'y a pas de mine de cassé. Un mois que je les attends. Ça va continuer ma gamme. Je les ai rangés dans laquelle trousse? Donc là, je vais pouvoir continuer. Enfin, mon nuancier. Oui, non, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est mon ancien nuancier. Et je le referai une fois que j'aurai vraiment toute la gamme. Ouais, voilà. Je les range dans cette trousse-là. Donc là, je vais faire le nuancier de ceux que je viens de recevoir. Bon, je ne le fais pas en vidéo parce que moi, voir les nuanciers, je trouve ça long en vidéo. Donc, bah voilà, ça va. Je crois que là, du coup, ça m'en fait 50 tout pile. Je crois qu'il y en a 100 parce que j'avais demandé et on m'a dit qu'il y en avait 100 maintenant. Donc voilà, c'est cool, je suis contente, ça m'en fait 50. Donc bah, je vous dis, je vais faire le nuancier, je vais les ranger dedans. Je vais en prendre soin de mes petites luminances. J'ai failli faire tomber mon petit pot en verre. Donc voilà. Bah écoutez, je ne vais pas vous dire un par un ce que j'ai pris. Hein, vous voyez bien. Oh là, des violets. J'ai pris un peu tout en fait au pif. C'est comme je les veux tous. Voilà. Bah, je crois que ça va être tout pour ce rush-ci. Là, je vais aller me maquiller parce que vous voyez, je ne vous ai pas pris face cam parce que je sors de ma douche. Je suis coiffée, mais je ne suis pas maquillée. Et moi, non, je ne me montre pas maquillée. Déjà, j'ai du mal à sortir. Enfin. Depuis que j'ai été malade, voilà quoi, ça me dérange pas d'aller chez mes beaux-parents, par exemple, pas maquillée. J'en ai gagné quand même de ce côté-là, mais je ne me montrerai pas mon maquillé, sinon vous allez avoir peur. Donc voilà, je vais vous laisser et puis bah, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes le jeudi 17 novembre. Alors pareil, pas besoin de chercher la date parce que en fait aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma grande. Elle a 15 ans aujourd'hui. Et oui. Il y a 15 ans, elle m'avait laissé manger mon gâteau à moi, et puis le lendemain, j'étais partie à la maternité. Ça fait trop bizarre. Mais voilà, 15 ans. Donc voilà, il est presque 9 h. Bah, comme vous voyez, j'ai pas trop avancé mon colo parce que. Bon, en fait, hier, quand je vous ai pris, après, il s'est passé pas mal de choses. Il y a mon mari qui m'a dit, bah écoute, il y a Océane, donc c'est ma collègue de boulot, qui va venir, elle voulait t'apporter quelque chose. Bah, je dis, bah oui, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, mais. Donc, bah, c'était pas prévu. J'ai reçu un truc que moi j'avais commandé que je vais vous faire voir. Et puis, du coup, bah, Océane m'a amené des cadeaux. Donc, je vais vous faire voir ça.
Et puis comme hier j'ai été un peu me balader, et ben j'ai acheté quelques petites choses. Donc en fait j'ai plein de trucs à vous montrer. On va commencer aussi. J'avais envie de vous faire voir, de vous expliquer un peu parce que ça m'a trop touchée. J'ai reçu ça hier. Je vous fais pas voir le petit mot. En fait, quand je l'ai reçu, mais c'est trop adorable. Quand je me suis fait opérer, quand j'ai dû aller à l'hôpital pour me faire enlever mon rein. On m'avait mis dans une chambre double. Et j'étais avec une petite dame. Hein. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait 50 ans. On est quand même restés 10 jours ensemble avant que ce soit elle qui parte. Parce qu'elle, ça faisait déjà 4-5 jours qu'elle s'était faite opérer. Donc elle, ça commençait un peu à aller mieux, on va dire. Et que quand moi je suis arrivée, en fait. Donc on est resté une dizaine de jours. Elle est partie. Moi, j'ai dû repartir 5 jours après. Donc quand même, 10 jours dans la même chambre, je peux vous dire que ça rapproche les gens. Et bon, elle était handicapée, hein, handicapée moteur, enfin si je peux dire ça, parce qu'elle ne marchait pas du tout, donc elle avait des sondes, tout ça. Et bah, les bras, c'est pareil, quoi. Elle arrivait à manger, mais si vous voulez, elle arrivait à jouer un peu avec sa tablette, mais par exemple, pour envoyer un message, elle met une demi-heure, quoi. Donc, mais par contre, elle a toute sa tête, hein, ça. Et elle s'appelle Christelle. Alors moi, je disais tout le temps, oui, ma Christelle, mais elle était trop adorable, quoi. Et des fois. Enfin, elle m'entendait quoi, elle m'entendait souffrir, je pleurais et tout, et des fois c'est elle qui sonnait pour appeler, pour dire, hey, ma petite collègue, elle est pas bien. Il y a des fois, elle me disait, tu veux que je sonne, Sandrine, parce qu'elle me parlait un peu comme ça. Mais c'était, mais adorable, mais franchement, et même quand mon mari, mes filles venaient me voir, bon, il y a des fois, elle était un peu, voilà, elle nous parlait, voilà, mais c'était trop marrant quoi. Il y a même mon mari me disait, bah, elle est trop marrante et tout, mais. Et je trouvais ça adorable parce que même ma famille, je vais vous dire, bah en fait, des cartes postales, on n'en voit plus, quoi. Là, oui, j'ai eu plein de joyeux anniversaires, mais sur Facebook, quoi. Mais merci Facebook. Enfin, c'est gentil, hein, mais c'est parce que Facebook a dit aujourd'hui, c'est l'anniversaire de un tel. Hein, donc, sinon, je suis sûre qu'il y en aurait peut-être la moitié qui n'y aurait pas pensé. Qu'elle, elle m'a envoyé une carte. En plus, je l'ai reçue le jour même et elle m'a envoyé un message. Donc, c'est trop adorable. Donc, voilà, je voulais vous montrer parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Bien sûr, elle m'a mis son adresse à l'intérieur. Donc, bah, je compte bien lui répondre. Hein. Et puis je vais bien garder sa petite carte, ça c'est sûr. Et comme hier, du fait que je suis allée chez Action, et là j'ai pris ça. Alors j'en avais pas assez, non, non. J'ai trouvé trop mignon. Donc j'en ai pris deux, j'en ai pris un pour moi. Et l'autre, et ben, comme ça, j'aurais pas de scrupules des fois à donner mes petits fonds que j'adore et tout. Et j'ai envie de lui faire une petite carte moi-même, en fait. Ça sera la première fois que je fais ça. Je vais mesurer la taille de mon enveloppe, tout, bref. Et je vais essayer de lui faire, enfin, je vais essayer de lui faire une petite carte moi-même en lui collant des stickers, genre les papiers qu'on trouve, vous savez, chez Action, tout ça. J'ai envie d'essayer de lui faire une petite carte et bah, bien sûr, je vais lui répondre avec plaisir. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite planche-là. Trop cute. Trop mignonne. Voilà. Donc comme ça, je vais lui faire une petite carte, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans une semaine, mais c'est sûr que je vais lui répondre. Donc voilà pour ça. Voilà ma petite explication, mais franchement, je trouvais ça trop mignon et je voulais trop vous le dire. Ensuite, comment dire? Oui. Donc je vais vous dire ça comme ça. J'ai tellement comme chose à vous dire. Ensuite, donc j'ai ma collègue de boulot qui est arrivée. Elle est arrivée. Enfin, elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle avait un rendez-vous. Donc elle est restée quoi une bonne demi-heure, mais elle me dit c'est toujours plus agréable de te donner ton cadeau chez toi et de te parler une demi-heure plutôt que de le donner au travail quand on se croise 5 minutes quoi. Donc elle me dit, alors c'est pas trop du colo pour le coup, mais je vous montre quand même. Elle m'a ramené ça, donc elle me dit c'est Noël, mais tant pis. Je lui dis mais t'inquiète pas, c'est pas grave, au contraire. Elle m'a dit, bah tiens, tu me disais que t'adorais le chocolat chaud. Et c'est trop mignon, regardez. En fait, bah, vous préparez votre tasse, hein, vous faites chauffer votre lait. Vous connaissez peut-être, mais moi, j'en ai jamais eu. Hein. Je connais, mais j'en ai jamais eu. Et elle dit, bah, tu fais fondre ta cuillère dedans, et au moins, comme ça te fait du vrai chocolat. Regardez, mais en fait, je lui dis, mais attends, on a carrément envie de les manger en sucette, les trucs en chocolat. Donc, il y a un petit Père Noël, un bonhomme de neige. Et puis, bah, je sais pas, des espèces de petits gâteaux, mais oh, j'ai trouvé ça trop mignon, regardez. Donc, j'ai eu ça. Et ensuite, elle m'a ramené un autre truc. Alors justement, je disais à mon mari, attendez, je vais peut-être vous bouger pour vous faire voir. Donc vous savez, là, on a mon bureau, voilà, c'est le bordel. Et là en haut, en fait, j'ai rien au-dessus de mon bureau, j'ai encore rien trouvé comme, attendez, je vous repose, vous voyez, comme déco. Et justement, c'est hier matin, j'ai dit à mon mari, bah écoute, va falloir que je trouve une petite déco. En fait, moi, j'aimerais même trouver une petite étagère, pas trop grande, parce qu'après, c'est pareil, il faut redépoussiérer, et c'est trop chiant. Mais genre une petite étagère que je vais pas mettre trop haute en face de moi. Et ma collègue,
Alors, bon, je vous fais voir, mais ça, de toute façon, c'est de loin, je pense pas que vous allez voir grand-chose. Déjà, sur le cadeau là qu'elle m'avait emballé, on avait été à un parc ensemble, voilà, je vous fais voir vite fait. Et elle m'avait mis trois petites photos comme ça sur le cadeau, c'était trop mignon. Et elle m'a offert ça, alors vous allez connaître, hein. Voilà. Elle l'a fait elle-même. Alors ça, c'est pareil, c'est des cadeaux qui font super plaisir, je trouve. Parce que je me dis, ben, elle était quand même chez elle, elle a pensé que ça allait être mon anniversaire, elle s'est dit, je vais lui faire ça, elle a quand même passé du temps à faire ce petit truc-là. Et moi, j'adore. Bon, j'en avais déjà vu, c'était la mode, une passe sur YouTube, on voyait beaucoup qu'il y en a qui faisaient ça. Et ben, là, on a offert un, et je suis trop, trop contente parce que ben, je me dis, voilà, il y a passé du temps. Donc, voilà, un cadre où, vous savez, ça fait un peu un renfort, là, le. Il y a un petit rebord là, voilà. Et je lui dis, ben, le fond, t'as fait comment? Je dis, c'est toi qui l'as collé. Elle me dit, oui, elle me dit, avec les trucs qu'on trouve chez Action. Oh, ben, je lui dis, d'accord. Donc, en fait, elle a collé un truc d'Action, elle a collé ses petites lettres, et voilà. Donc, j'adore. Donc, vous voyez, hein, Sandrine, Grégory, Mélina et Colline. Donc, là, c'est Mélina aujourd'hui qui a 15 ans. Trop bien, je suis trop contente. Alors, du fait, je lui dis, mais ça, en plus, ça va trop bien aller dans mon salon, au-dessus de mon bureau, je vous dis, c'est les bonnes couleurs et tout. Oh, j'étais trop, trop contente, j'arrête pas de le dire, mais alors, du fait, ça serait bien que je trouve. Hier, en me promenant, j'ai pas trouvé, mais voilà, c'est pas non plus pressant. Le jour que je vais tomber dessus, je vais tomber dessus. Mais j'aimerais bien trouver, bah, en fait, une petite étagère avec couleur bois comme ça, et puis noir, en fait, ferraille noire un peu. Donc, et je mettrai mon cadre certainement à côté, je l'accrocherai à côté, enfin bref. Mais voilà, je suis trop contente qu'elle m'ait acheté ça. Voilà. Pour ça, alors je ne vais pas le faire tomber, voilà. Non, attendez, parce que là je l'ai mis debout, je me dis s'il vient tomber, le carreau va péter. Voilà, c'est mieux. Voilà pour mes petits cadeaux. Ensuite, ma maman, bah, elle est venue, bah, elle m'a donné des sous, elle me donne toujours des sous. Donc voilà. Donc bah, aussi, je m'étais dit, mais je les avais même déjà pris parce que je m'étais dit si je trouve mon étagère, comme ça j'aurais pu acheter mon étagère avec les sous de ma maman. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, alors je suis allée hier me promener donc chez Action et ensuite je suis allée chez Cultura. Alors chez Cultura, j'ai pas acheté grand-chose. En fait, hier on a acheté pas mal de choses, mais c'était pas pour moi en fait. Enfin, on a fait quand même, on a continué nos cadeaux de Noël. Et à Cultura, bon, c'est vrai qu'il y a un moment que je voulais m'acheter ça. Alors je me suis acheté les petites pastels le Sennelier. Alors je voulais la blanche, mais elle n'y était pas. Donc je me suis pris là, ça fait or et argent en fait. Et j'adore quoi. En fait, j'ai essayé là-bas. Ça brillait tellement, mais je ne les veux pas toutes. Hein. Je voudrais juste celle-là, celle-là. Et je vous dis, je voulais la blanche. Mais en fait, il n'en restait plus qu'une. Mais comme les gens essayaient, elle était déjà bouffée jusque-là. Donc j'allais pas la prendre au prix où ça coûte. Et voilà. Bon, je ne sais pas si je vous fais un swatch ou quoi. Ben, je peux vite faire en marque, hein, parce que comme je suis en train de faire ça, que je vais vous l'acheter. Mais c'est trop beau, quoi. Alors, je trouve qu'il y a un sens. Moi, j'ai compris ça là-bas. C'est bête, hein, peut-être que vous le savez déjà, mais en fait, il y a un sens avec la pastel. Vous voyez, moi, je fais que ça comme un crayon, mais du coup, je trouve que ça enlève la brillance. Et en fait, il faut aller tout le temps dans le même sens. Je trouve que bah, c'est beaucoup mieux. Alors, par contre, j'ai une grande pochette comme ça. Je ne sais pas dans quoi je vais les. Donc là, je ne vais pas estomper au doigt. Voilà, vous voyez comment ça brille quand même. Regardez. Voilà. Et après, quand on l'estompe au doigt. Ça brille encore quoi, et pour faire un fond, c'est trop trop bien. Et alors, les pastels comme ça, c'est Nelier. Bah, ils avaient dit que, enfin, j'entendais tout le temps que c'était, regardez mon doigt, que ça s'étalait facilement et carrément quoi, c'est tellement gras. Regardez, et dans les fonds, voilà quoi. Alors, je vous dis, je compte pas me prendre toutes les couleurs parce que moi, la pastel, c'est que voilà, j'en utilise très très rarement, mais voilà quoi, pour faire les fonds, donc là, je. Grabouille comme ça, mais après, il faut tout le temps aller dans le même sens. C'est vite fait. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, je vais l'étaler avec mon doigt. En plus, je trouve que ça se voit parce que quand on étale, on voit que quand il y a encore trop de pigments, il faut étaler, il faut étaler, il faut étaler. Bon, voilà mon doigt. Et regardez, j'adore, c'est trop beau. Et bah en blanc, je vous dis, je l'ai essayé, mais il était beau aussi. Mais tant pis, j'irai la prochaine fois, je retournerai, j'en rachèterai un blanc. Mais voilà, je trouve ça trop beau. Je l'ai fait là-dessus parce que ces machins-là, je les garde pas. Mais voilà. Voilà. Voilà pour ça. Donc je me suis acheté ça chez Cultura. Voilà pour ça.
Par la suite, donc je vous avais dit, je vous avais dit que j'avais plein de choses à vous raconter. Hein. Puis c'est pas encore fini parce que dimanche soir je fais mon annif, donc à mon avis je vais essayer de faire traîner peut-être le vlog jusqu'à lundi du coup, pour vous reprendre lundi et vous montrer ce que j'aurais eu comme cadeau. Je vous ai pas dit les cadeaux de mon mari aussi. Alors par mon mari j'ai eu une petite paire de boucles d'oreilles, mais en fait je savais parce que c'était moi qui les avais choisies. En fait j'ai deux trous aux oreilles et pour mettre au deuxième trou, j'avais pas de bonne boucle d'oreille et je voulais en avoir une or et une argent. Donc là, elles sont. Je peux peut-être vous faire. Attendez, j'essaie de vous faire bouger. Je peux peut-être vous montrer un peu en fait. Attendez, regardez. Alors là, vous voyez mon beau mur. Je vous fais bouger, mais je vais vous mettre dans l'autre sens comme. Coucou. Donc voilà, regardez, j'ai eu ces petites boucles d'oreilles là, toutes simples. Hein. C'est parce que moi, des fois, je mets des anneaux, je mets des trucs qui tombent. Alors je voulais pas quelque chose qui tombe. Donc j'ai eu ces petites ces petites boucles, vous voyez de près là, hein ces petites boucles d'oreilles là. Et justement, alors attendez, je vous remets de l'autre côté. Hop là, voilà. J'espère que je vous fais pas vomir. Oui, et donc quand on a acheté la première paire donc de boucles d'oreilles, on a eu un bon cadeau de 18,50 €. Donc j'avais dit à mon mari, écoute, la prochaine fois quand on revient, il était valable jusqu'en janvier. Et je lui avais dit, écoute, maintenant que j'ai les couleurs argent, j'aimerais bien les couleurs or, donc c'est du plaqué. Hein. Et comme ça, j'ai juste rajouté 10 balles, je les ai eu à 30 balles, mes petites boucles d'oreilles, et puis ça va très bien. Donc ça va, parce qu'on les a eues en bijouterie, donc c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, non, normalement, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Hein. Donc comme ça, je les aurai parmi d'autres cadeaux à Noël. Voilà, donc là, j'ai reçu ça hier. Pour ça, je voulais vous reprendre hier après-midi pour vous montrer. Alors en fait j'ai fait une commande Amazon, mais mon mari me dit attends on a fait une commande, ils vont nous envoyer tout un par un quoi, alors qu'ils auraient tout mis dans le même carton, enfin bref. Donc vous voyez, c'est des distress. Et oui, voilà. Alors, je vous explique un peu. Je compte pas me faire toute une collection de distress. Enfin, pour le moment, je dis ça, puis si ça se trouve, quand je vais essayer, ça va me plaire et puis je vais en vouloir d'autres couleurs, mais. En fait, j'ai vu que c'est Laïmiana qui faisait avec des pochoirs de chez Action. Et je trouve que avec la pastel sec, ça fait pas assez. Je sais pas, j'y arrive pas moi avec la pastel sec. Donc je vous avais déjà montré que j'avais acheté des Beauty Blender chez Action, là. La grosse boîte. Pardon, je vous fais bouger. La grosse boîte. Et puis donc c'est pour faire ça. Et puis j'avais trouvé justement des beaux pochoirs chez Action, là, les nouveaux un peu transparents. Et j'aimerais, je pense que je vais essayer de faire ça. Là, je vais finir mon mystère et après, j'essaierai d'en faire un dans un Camilla d'Héricault. Parce que je trouve que les fonds, à chaque fois, j'en ai. Comment, enfin, j'ai deux de ces livres. J'ai le Cute and Creepy et l'autre, je crois que c'est le Mermaid. Et j'en ai aucun de commencé parce qu'il y a parfois les fonds sont tellement aérés que je ne sais pas quoi faire. Et je m'étais dit, voilà, essayer de commander juste quelques distress. Donc en général, moi, mes fonds, c'est voilà quoi. Ça va être bleu, vert. J'ai pris du coup un violet comme ça. Parce que je me suis dit, si je fais à fond rose, même violet, ça peut ressortir. Et là, ça fait un peu rouge. Et voilà, quoi, je me suis dit, souvent, je fais mes fonds à la pastel. Et du coup, rajouter du pochoir par-dessus avec du distress. Donc, voilà, il y a ça d'arriver aussi à la maison. J'ai d'autres trucs de commander, mais je sais plus c'est quoi. Est-ce que c'est pour moi? Non, je crois que pour moi, j'ai commandé que ça sur Amazon. Après, c'était des cadeaux pour Noël. Oui, j'avais que ça, j'ai commandé. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, avec tout ce que je m'achète. Donc voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire là? Ça y est, je crois. Ouais. Je crois que là, je vous ai tout dit. Mais voilà. Dimanche, je vais avoir d'autres cadeaux. Je vais voir ce que je vais avoir. Enfin, ma belle-sœur, apparemment, elle avait montré un livre de coloriage à mon mari, peut-être. Donc je vais voir. Je sais pas. Je vais voir ça. Là, je suis en train de regarder parce qu'il fait pas beau là. Il fait un temps, mais là cette nuit il y a eu plein de vent, il y a eu de la flotte. Là ce matin, je suis allée porter ma fille à l'école, je me suis pris la saucée, là j'ai pas pu me garer en face de l'école. J'ai eu l'averse. Et ma petite elle me dit, mais maman, il fallait prendre un parapluie. Je lui dis, ouais, mais quand on est descendu de la voiture, il y avait du soleil et vraiment en 2 minutes, le temps d'arriver devant l'école, bim, averse. Enfin bref. Écoutez, je pense que ça va être tout pour ce rush-ci. Je ne sais pas si je vais commencer ma petite carte tout de suite. Je pense que j'ai plutôt continué lui parce que j'ai envie de le finir. Que je ferai certainement ma petite carte peut-être demain, je verrai quand j'aurai fini ça. Parce que lui, j'ai plus beaucoup en fait. Là, je fais le fond.
Et puis j'ai plus qu'à faire les écritures en jaune et basta, c'est fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de blanc. Le 8 là, c'est du blanc, donc il y a plein de blanc. Donc bah voilà. Et ben bah, je vais vous laisser. Et puis je vais vous dire. Ah oui, non, je voulais vous faire voir. Ah mais je vous dis, j'ai tellement comme truc. Bon, c'est pas très intéressant, mais. C'est regarder ce que j'ai fait aussi. Du coup, que j'ai reçu mes. Oh, du coup. Je vais me taper, hein, je me fatigue. En plus, et il y a un autre truc encore, mais je fais que de blablater. Hein. C'est Virgin Colo, la chaîne Virgin Colo de Virgin, elle m'a trop fait rire. Il y a un matin, je me suis levée. J'allume mon portable et je vois Virgin Colo vous a envoyé une image. Je dis, tiens, elle m'envoie un colo. Et en fait, non, mais c'était, ça m'a trop fait rire. Hein. Elle m'a envoyé, c'était écrit truc de français, je sais pas quoi. Et en fait, c'était écrit tous les mots pour remplacer le mot du coup. Et c'était trop marrant. Et elle me dit, mais c'était pour blaguer. Je lui dis, mais t'inquiète pas, je l'ai très bien pris. Et en fait, ça m'a trop fait sourire. Donc, Virginie, si tu passes par là, c'était trop marrant. Je dis, mais elle est trop marrante, elle a pensé à moi. Mais toi, je les utilise pas, les mots. C'est un problème. On utilise tout le temps. On a des mimiques comme ça où on dit tout le temps les mêmes mots. C'est chiant. Mais bref. Donc, revenons à nos moutons. Donc, mes luminances, vous savez que moi, c'est pas mon vrai nuancier. Hein. Vous savez que moi, mes nuanciers, je les fais là-dedans. En fait, c'était juste pour voir où j'en étais, parce qu'avec les nouveaux qui étaient arrivés, j'avais pas fait de nouveaux nuanciers. Donc, là, hier, j'avais demandé combien il y en avait sur Insta. Puis, il y a une petite abonnée qui m'avait gentiment envoyé la photo du nuancier qu'il y avait sur sa boîte, sur sa grande boîte. Donc, en fait, j'ai recopié tous les chiffres et j'ai mis à côté. Donc, oui, j'en ai 51, je crois. Donc bah voilà, j'en ai la moitié, il m'en faut encore une bonne moitié. Voilà tout ce que ça me fait du coup, du fait en luminance. Voilà. Et voilà. Donc cette fois-ci, bah, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à plus tard. Et en fait, on est le même jour, on est tout de suite après. Je voulais vous montrer parce qu'en fait j'ai fait ma petite carte. Parce que comme je pense la mettre tout de suite dans l'enveloppe et lui envoyer après, parce qu'en fait. Il y a juste une boîte aux lettres de la poste à côté de l'école, donc je vais la mettre en même temps. Je me suis dit que ça serait peut-être plutôt bien de faire ça. Et en fait, je dois vous dire que mon colo là, de mon mystère, en fait, je l'ai jeté parce que j'ai commencé à faire mon fond avec mes feutres à alcool. Et en fait, celui-là, il m'a lâché. Et celui-là, il m'a lâché. Et je me suis dit, c'est bon, ça me saoule. J'ai essayé de le faire au crayon, mais le crayon par rapport au feutre à alcool, bah, ça avait beaucoup moins de peps, donc je dis bah c'est bien. Donc en fait ça faisait trois couleurs. Bah, j'ai dit c'est bien, ça. Je crois que c'est la première fois que je jette un colo. J'ai jamais acheté de colo. Mais là j'en ai tellement. Et en plus ça c'est un livre que je veux finir, mais je vais pas acheter tous les colos, quoi. Mais là, ça me gênait pas de jeter celui-là. Donc en fait, je l'ai pas lancé. Et je me suis mis à faire ma petite carte. Donc je me suis dit j'allais vous montrer. Alors je fais pas de scrap, c'est pas ça. Je ne me mets pas du tout au scrap. C'est la première carte de ma vie que je fabrique moi-même. Mais je me suis dit, bah plutôt que d'en acheter une, j'ai essayé de lui faire. Alors, je sais pas, je vais vous la montrer, vous me direz. Donc voilà, en fait, j'ai du papier à dessin là. J'avais demandé à mon mari, attendez, je vous fais voir, qui m'achète, bon, c'est du papier à dessin comme ça, un papier Canson, 180 grammes. J'ai coupé de la taille de mon enveloppe. Et voilà, donc j'ai coupé, vous voyez, comme ça, en deux. Voilà. En soi, ça m'a pas paru difficile, mais bon, après, j'ai pas fait non plus quelque chose de ouf, c'est que des trucs à coller. Donc voilà, j'ai pris un bout de papier qu'il y avait là-dedans, vous voyez, dans le truc d'action, que j'ai déchiré, que j'ai mis là, j'en ai mis là, voilà. Je la prends à l'envers, voilà. Oui, là et là, et puis après, voilà, j'ai collé que des petits stickers que j'avais trouvé bah, sur ma petite planche que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai essayé de faire quelque chose quand même d'un petit peu cohérent. Genre, bah, j'ai mis des froufrous là, j'ai mis un petit nœud là. Là, ça fait un peu un. Bah, je pense que vous voyez, enfin, le soleil avec des nuages. J'ai mis le petit pioupiou là. Et puis là, voilà, là, une espèce de colline avec mon petit hérisson là, trop chou. Et puis voilà, j'ai mis des champignons et des petites fleurs. Voilà. En cas près, voilà. Donc, j'ai écrit mon petit mot, j'ai rajouté un petit truc là. Un petit truc là. Et comme ça, quand on ferme, j'ai mis ça. Donc là, vous voyez à l'envers, c'est écrit Happy Day. Voilà. Donc, en plus, je trouve que je reste à peu près dans les mêmes tons. J'essaie de rester dans les mêmes tons. Oh là, je la trouve toute mignonne. Donc, bah, je suis contente. Je m'en vais lui préparer dans sa petite enveloppe. Et puis, bah, comme ça, je vais lui envoyer juste après. Et puis, bah, là, en fait, il est déjà pas 10h30. Donc, dans 3 quarts d'heure, je dois partir. Donc là, je vais mettre ma table, tout.
Et puis voilà, je n'ai même pas encore essayé ça. Je pense que ça, je l'essaierai plutôt. Je voulais essayer d'en faire sur ma carte, mais comme j'ai jamais fait, je me suis dit, si je me foire, il va falloir que je recommence ma carte deux fois. J'ai dit, colle des stickers, voilà, ça va être plus sûr. Donc, eh bien voilà, et ce coup-ci, je vous laisse pour aujourd'hui. À plus tard. Hello, nous sommes le mardi 22 novembre et il est un peu plus de 9h. Je vous reprends donc pour la suite et fin de ce vlog. Là, j'adore, en fait, je suis chez moi, il fait un temps mais pourri. Moi, j'aime bien, en fait, quand il fait pas beau. Bon, par contre, là, tantôt, je vais aller travailler, donc ça donne moins le moral, je trouve, quand il fait pas beau. Mais par contre, quand on reste chez soi, moi, spécialement, j'aime bien quand là, je me demande même s'il n'y a pas eu un ou deux coups d'orage. Donc, c'est un petit peu la tempête, il y a de la pluie et tout. Enfin, c'est cool. Je suis un peu dans mon mode cocooning. Donc voilà, donc je vous ai juste fait voir ce livre-là. Je ne vais pas vous faire voir le colo, mais j'ai commencé ce livre. Je suis trop contente de l'avoir commencé parce que j'hésitais, je ne sais pas pourquoi en fait. C'est surtout au niveau des fonds. Je trouve que bah, les fonds sont très aérés. Hein. Vous allez, je pense que vous l'avez vu et revu. Voilà. À chaque fois, vous avez souvent un truc au milieu. Bon, la luminosité n'est pas terrible, mais il fait pas beau. Vous voyez ça, bon bah oui, là encore, on va faire de l'eau. Mais il y a plein de trucs où bah voilà, elle est là, et là au fond c'est répétitif. Donc je ne savais pas trop quoi faire dans mes fonds. Et ça y est, j'en ai commencé un. Et j'ai utilisé mes petits distress que je vous ai fait voir. Je vous les refais voir, mais j'avais reçu cela. Et j'ai utilisé le bleu là. Avec un pochoir de chez Action. Donc j'étais plutôt contente. Hein. Donc je répète, mais j'ai vu cette méthode sur la chaîne de Laïmiana. Après, il y en a certainement plein d'autres qui le font. Hein, mais moi j'ai vu la méthode sur Laïmiana, la chaîne de Laïmiana. Et j'ai utilisé les Beauty Blender que j'ai acheté chez Action. Voilà. Donc celui que j'ai utilisé, je l'ai mis dans un plastique, je ne l'ai pas encore lavé. Alors après, je sais pas, je vais poser la question par contre si c'était mieux les grands pads que des petits pads. Parce que là, sur les petits pads, j'avais l'impression que le pigment, enfin, j'avais du mal à attraper l'encre quand même. Ou alors, est-ce que le bleu était pas assez foncé? Je sais pas. Elle m'a dit, enfin, m'a répondu qu'en effet, les grands pads étaient peut-être un peu mieux. Donc, je pense que j'essaierai quand même d'acheter genre trois grands pads, un bleu, un vert et un violet ou un rose, un truc comme ça. Surtout les fonds que je fais assez souvent. J'essaie de prendre dans des teintes assez foncées. Bon, ça sera pas ce mois-là parce que voilà, j'ai déjà eu pas mal de dépenses. On verra ça, voilà. Et donc, tout ça pour dire que j'ai utilisé le pochoir pour faire le fond et que j'aime beaucoup. Alors, si vous me suivez, il y en a sur Insta, vous avez dû voir une story. Hein, ce que j'avais fait voir, j'avais dit voilà ce que je suis en train de faire et le colo était quasiment fini. Donc voilà pour ça. Ensuite, dimanche soir, alors, super, on devait faire, enfin on devait, oui, on a fait, mais on était moins nombreux que prévu. Je vous avais dit que j'allais fêter bah, nos anniversaires, hein, ma fille, mon mari et moi-même, avec mes beaux-parents, ma belle-sœur, enfin ma belle-famille. Et ma belle-sœur qui me téléphone à 2h de l'après-midi, qui me dit eh ben, qu'elle ne viendra pas parce qu'elle a le Covid. Donc voilà, donc moi j'avais déjà fait même mon gros plat de lasagne et tout maison. Bon, je dis c'est pas grave, au pire on en aura pour plusieurs jours. Et puis après, bah, m'envoie un message pour me dire que bah, la petite l'avait aussi. Donc sa petite l'avait aussi, donc voilà. Donc on s'est retrouvés juste avec mon beau-père et ma belle-mère. Donc bon, ça n'a pas empêché que. Bah, du coup, il restait la moitié de lasagne, donc bah, on les a finis hier. Et puis, moi qui me dis d'habitude, je prends un gâteau pour 6, genre parce que nous, on est faim. Moi, je ne suis pas trop gâteau, tout ça, mais je me suis dit, allez, cette fois-ci, je vais prendre un gâteau pour 8. Et bien, bah, ils se sont retrouvés à 3 à manger un gâteau de 8, donc c'était pas mal. Donc là, ils ont eu ce qu'il fallait. Enfin, bref, donc bah, je lui dis, mais t'inquiète pas. Alors, elle pleurait, ouais, elle me disait, oh non, c'est chiant et tout. Bah, je lui dis, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Je lui dis, on se verra une prochaine fois, ne t'inquiète pas. Je lui dis, bah, reste enfermée avec ta fille chez toi pendant une semaine. Et je lui dis, puis c'est tout, ça va passer. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Mais par contre, j'ai quand même eu des cadeaux par mes beaux-parents. Alors, par mes beaux-parents, alors je peux pas trop vous faire voir, mais j'avais demandé, parce que souvent, ils nous demandent de faire une liste hein, pour Noël et anniversaire. Là, vous allez peut-être voir, j'ai une croix. Mais justement, c'est parce qu'il faut que je pense à un truc, alors je me suis fait un pense-bête. Ils m'ont offert tout un lot de casseroles. J'avais demandé des casseroles parce qu'en fait, c'était des casseroles que j'avais de mon papa et de ma maman, sachant que mon papa est décédé il y a déjà plus de 14 ans, 14 ans et demi. Et il m'avait offert ces casseroles-là, donc je peux vous dire que mes casseroles, elles avaient un sacré bout de temps. Je vais essayer d'arrêter de dire ce mot casserole. Je crois que je l'ai dit au moins je ne sais combien de fois, ou même pas une minute. Et du coup, bah, j'avais demandé à ma belle-mère si elle pouvait m'en racheter. J'avais demandé des rouges ou des noirs pour aller avec ma cuisine. Et j'ai eu bah, un lot de 5. Et elles sont rouges, donc je suis trop contente.
pour ça, parce qu'il ne faut pas croire, mais il y en a qui vont dire ouais, des casseroles. Ouais, mais bon, enfin, franchement, des casseroles, ça coûte super cher. Donc voilà, ensuite j'ai eu. Alors, c'est que des trucs que j'avais demandé. J'ai eu ce livre-là. Alors, c'est trop marrant parce que j'ai eu l'idée de commencer l'autre et j'ai eu celui-là. Parce qu'en fait, sur Amazon, j'avais mis 3-4 conneries, pas trop chères. Et puis, en fait, voilà. Donc, elle m'a tout acheté, en fait. Donc, Camilla Derico, vous connaissez. Moi, j'avais déjà, donc là, le Cute and Creepy, j'ai le Mermaid et maintenant, j'ai le Dragon. Donc, voilà. Vous faut voir vite fait parce que c'est pas un livre récent. Et voilà. Mais c'était un livre que je voulais avoir, mais que je voulais pas spécialement moi me payer. Je m'étais dit, je me le garderais. J'étais pas pressée de l'avoir, si vous voulez. C'est vraiment pour la collection, en fait. Parce que la preuve, je vous dis, dans les Camilla Derico, j'en ai commencé qu'un livre et c'est le Cute and Creepy. J'en ai fait qu'un pour l'instant. Donc voilà. Et comme ça, je me suis fait offert. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis fait offrir ça. J'ai pareil, je courais pas après non plus. C'était pas un truc qui m'était pressé d'avoir. Mais ça faisait un moment, déjà j'avais regardé avec mon mari et je lui avais mis dans le panier Amazon et il m'a dit t'as vu les frais d'envoi? Alors je sais pas, hein, j'avais au moins 6 ou 7 euros de frais d'envoi pour 6 stylos quoi. Je dis non, bah laisse tomber, c'est trop cher. Et bah, là je les ai mis dans le panier de ma belle-mère et elle, je sais que des fois elle cherche plusieurs vendeurs où il n'y a pas trop de frais d'envoi et tout. Donc bon, bah voilà. Donc comme ça je les ai reçus. Je pense que vous les connaissez. Aussi, hein, ce sont les stylos gel hybrides et en fait c'est vrai que franchement ils sont trop beaux quoi. Moi je les trouve trop beaux. Pardon, donc là vous avez un gold tout court, tout seul. Là vous avez un orange plus métal, alors avec des paillettes jaunes. Là il y a un, je crois que c'est bleu avec des paillettes. Où est-ce que c'est écrit là? Oui, bleu avec des paillettes vertes. Là, c'est le violet avec des paillettes bleues. Là, c'est un noir avec des paillettes rouges. Et là, c'est un silver. Donc voilà, tout seul. Donc je suis trop, trop contente. Je les trouve trop beaux. Je ne les ai pas encore swatchés, donc je vais essayer de les faire après de mon côté. Et je lui avais mis aussi deux stickles. Parce que, pardon. Moi, j'ai encore jamais fait de commande chez Craftelier, tout ça. Il paraît que j'envoie beaucoup commander des stickers sur Craftelier. Et là, ceux-là, eh ben, ils étaient sur Amazon et ils n'étaient pas très chers. De temps en temps, je regarde. Alors, j'en ai pas 50 des stickers. J'ai ça. Attendez, je vais sortir mon tiroir. Parce qu'ils sont là-dedans, mes stickers. Alors, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 2, 4, 5. Ben, maintenant, ça m'en fera 7. Alors, en plus, celui que j'utilise le plus, c'est celui-là. C'est le Stardust. Et puis après, ben là, j'ai un rose comme ça. J'ai un espèce de. Il fait jaune-vert en fait. Lui, j'adore, c'est le cosmique. Et là, j'ai le vert comme ça, tout seul. Et je m'étais dit, ben, pour Noël, là, lui, il est vert avec des paillettes rouges. Je trouve que ça fait plutôt repos. En même temps, je vais les ranger. Hop. Donc, ouais. Donc, celui-ci, je m'étais dit pour Noël. Donc, je vais. C'est ça, c'est vert avec des paillettes rouges. Et puis lui, je m'étais dit, bah, pour mettre dans les queues de sirène, c'est le Sea Glass. Et je trouve que voilà, ça va faire son effet. Alors, est-ce que tout va rentrer? Oui, pour moi, comme ça, ils vont plus casser la binette. Ils sont bien calés. Voilà. Donc, bah, voilà pour ça. Bah, je ne sais pas trop ce que je vais avoir par ma belle-sœur, mais bon, je vous dis, ça, c'est pas grave. Hein. On n'est pas comme des enfants à vouloir à tout prix nos cadeaux tout de suite. Hein. Même si on est content de recevoir des cadeaux, voilà, c'est pas grave, on se verra plus tard. Après, normalement, on se voit tous les dimanches, mais c'est pareil, si son mari vient la voir, peut-être, je sais pas, dans 3-4 jours, du coup, ça va repousser de rester enfermé 5 à une semaine. Donc je sais pas si on se verra dimanche, on verra bien. Donc, bah, écoutez, on va s'arrêter là, je pense, pour ce vlog. Ah oui, alors j'ai juste fait un petit truc. Ça aussi, j'avais acheté celui-là à ma fille parce que ma fille veut revendre ses livres de colo. Ah oui, je pourrais peut-être vous le montrer dans ce vlog pour finir comme ça ou la prochaine fois, je sais pas trop. En fait, j'ai ma fille qui voulait faire un peu comme moi pendant un moment, il y a peut-être 3 ans de ça. Hein. Donc, elle avait acheté des livres de coloriage, mais maintenant, en fait, c'était juste pour faire comme moi. Bon, il y en a qui sont quand même pas mal. Il y en a 2, 3 que je peux pas revendre parce qu'il y en a au moins une quinzaine de faits dedans. Donc, elle les a quand même un peu avancés sur le coup. Mais genre, j'ai 2 mystères, je crois, qui sont neufs. Ou un mystère neuf, et puis l'histoire éternelle qui est neuf. En enfin, bref, il faudrait que je fasse une vidéo
Mais je pensais peut-être les mettre déjà en photo sur Insta et si ça se vend pas, genre pense faire une vidéo sur YouTube. Donc je verrai bien. Si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo sur YouTube, ça veut dire que j'ai tout vendu sur Insta. Je vais voir. Là en plus, c'est vrai qu'il traîne depuis un moment dans sa chambre. J'avais laissé comme ça, donc là il faudrait que je prenne les photos. S'il y a des gens qui sont intéressés de les racheter. En plus, elle a aussi le vitraux qui en a. Bah, par contre, lui, il en a deux commencés et deux de faits. Bon, bah, je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Au lieu de 17 euros le lit, forcément, je le ferais beaucoup moins cher. Donc voilà, à voir. Mais tout ça pour dire que moi, du coup, je lui ai pris celui-là, l'ABCDR. Je sais pas pourquoi, moi, celui-là, je l'aime bien. Et j'en ai déjà fait quelques-uns dedans. J'avais déjà fait, dont celui-là, vous voyez, il est en tout temps sur mon bureau. Il est plastifié. Bon, je le referai maintenant. Là, en bas, je ferai pas comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Maintenant, je referai du sable, en fait. Mais voilà. J'en avais fait un aussi que je vous avais dit que j'avais mis à ma sœur. Donc, que j'avais plastifié, que j'avais mis sur sa tombe. Bon, je sais, c'est pas très drôle, mais elle faisait du colo et moi, j'avais fait un colo. Et là, j'ai envie de lui refaire celui-là parce que l'autre s'est envolé. Il n'est plus là. Donc, j'ai imprimé celui-là et j'ai envie d'essayer de lui faire celui-là. Pareil, c'est pas pressant, mais c'est dans mes projets à venir. Donc voilà. Ça, c'est un petit. Ma fille, hier, elle est arrivée, elle m'a dit, tiens, maman, regarde, je t'ai écrit un poème. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais monter ce vlog. Et puis, bah, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais me mettre. Parce que là, je viens tout juste de mettre un tag. Mais après, je sais que les vidéos tags ne sont pas forcément beaucoup regardées. Comme je travaille pas cette nuit, est-ce que je vais essayer. Enfin, cette nuit, demain, je me dis, parce que je me dis en mettant la vidéo ce soir, il doit arriver demain. Alors, soit ce week-end ou là. Et parce que ce week-end, c'est le dernier week-end que j'ai. À partir de décembre, là, je vais retravailler les dimanches. Tout du moins les dimanches. Et puis, bah, après, les 2 semaines, ça sera Noël, donc le 24 et le 25. Samedi, dimanche, c'est sûr que je vais travailler. Donc, normalement, je vais reprendre mes heures normales. Et puis là, oui, puis hier, j'ai ma médecin là qui m'a appelé, parce que je vous avais dit que je devais faire une prise de sang. Et j'ai la secrétaire qui m'a dit, bah écoutez, le docteur Chéron, c'est moi, ma docteur, comme ça vous savez son nom, c'est pas grave. Elle souhaiterait vous revoir suite à votre prise de sang. Donc bah forcément, il ne doit pas y avoir des trucs de bien, mais je sais que je suis en carence sur plein de choses. Donc elle va certainement m'ordonner des médicaments pour que je remonte mes vitamines, mon fer ou je sais pas quoi. Donc on verra bien ça vendredi matin. Voilà, donc cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et commenter et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, allez, à plus tard. Bye.